Bonsoir les amis, je m'appelle Fred. Bonsoir les amis, je m'appelle Ambre. Je m'appelle Anthony. Bienvenue sur la chaîne Explorate. Alors on se retrouve ce soir pour une vidéo bivouac caméra de chasse. Le principe eh bien, c'est de bivouaquer et de poser des cames de chasse autour dans la forêt pour essayer de choper des vidéos et ou des images d'animaux sauvages. Bien, les amis, on est en place, ça y est, la tente est montée. Alors, on a changé de tente, hein. On a pris une 4 places et 4 saisons cette fois-ci, histoire d'être un peu plus adapté au climat. Ça, il fait bon dedans? Ouais. Ouais. Bon, nous on a attaqué l'apéro, on se pose un petit peu, puis ensuite on va manger tranquillement et on va faire un petit tour dans le coin. Eh bien les amis, après ce coupure repas, nous allons descendre dans la forêt pour déposer les deux caméras de chasse. Alors on va passer en mode GoPro, c'est parti. Ça va? Quoi? La terre. Allez, on va la mettre par ici. Voilà. Elle est impeccable. On va la démarrer. Allez, c'est parti. Allez, bon, je pense qu'on s'est déjà fait shooter là. Allez, on va au prochain spot. Commence à y avoir la gelée sur le sol. C'est ça. Ça brille. Ouais, tu l'as vu? Alors là, on voit qu'il y a des moutons qui sont passés il y a pas longtemps. L'herbe a été pratiquement broutée. C'est ici. Allez, je pense que là, ça va être parfait. On va l'installer par ici, allez. Sur mon cœur. Là, je suis planté, c'est clean. Ah oui, fais attention. Ah, là, je me suis planté. T'as fait mal? Ouais, je me suis planté. C'est des ronces, fais attention. Ah, c'est une roche. Ça fait longtemps que j'ai pas vu. J'arrête pas de shooter la caméra depuis tout à l'heure. La GoPro, je la tape dans les branches. Voilà, là c'est parfait pour moi. On va déclencher la caméra et on va y aller. Alors le problème de celle-ci, c'est que l'infrarouge est assez puissant. Et parfois il est tellement puissant que ça éblouit l'image. Alors attention. Le décompte est lancé. On referme le boîtier. Alors comme d'hab, on va se faire shooter bien sûr. Hop, elle est en place. Allez, on y va. Bon, eh bien les amis, petit souci, je me suis levé un peu plus tard que prévu, il est 7h30. J'aurais dû me lever 2h plus tôt. Les chasseurs commencent à arriver, donc je vais me dépêcher d'aller chercher les caméras de chasse rapidement avant qu'ils arrivent, histoire de ne pas me faire abattre.
Donc du coup je passe rapidement mode GoPro, je me manie un peu le et on se retrouve là-bas. J'espère vite que je vais me rappeler les endroits. Bon, pour une, je pense que c'est bon, c'est l'autre qui me fait un petit peu peur. Donc là, le soleil s'est levé, donc techniquement, ils ont le droit de tirer. Je me rends compte là vite fait que j'ai pas pris de gilet, ni orange ni jaune. Donc j'ai vraiment intérêt à faire vite. Parce que là, je vais me retrouver dans les fourrés. Je pense que je vais faire un petit peu de bruit là pour défaire la cam. Et je suis vêtu de couleur sombre. Alors le gros arbre. C'est au deuxième feu, je crois. Bon, je crois que c'était là. Non, c'était pas, je suis pas allé si bas. Au deuxième feu. Oui. Je suis pas allé si loin. Ça, le gros arbre, on marche un peu. Ah, c'est là. Ah, c'est bon, je le vois. Je vous avoue, les amis, là j'ai une petite frayeur, je trouve plus la cam. Je sais pas si vous avez senti la panique. Alors. On va pas s'éterniser. Oui, on a 15 clichés. Allez. 2-3, ça doit être les nôtres en quittant les lieux. Allez, on va se diriger rapidement vers l'autre. Pareil, je vois plus l'autre. Je le vois. C'est bon. Ah, je sais pas si vous les entendez, là, les chasseurs. Ils sont en train de monter là. Hop là. Alors là, la cam vient de tomber, je crois qu'elle a pris cher. Non, c'est bon, une protection quand même pour le... Oh là, là on se casse vite fait, hein. J'ai entendu les cloches, les chiens. Hop là. J'ai essayé de parler fort. Histoire de m'annoncer, quoi.
Hop là. Alors, je viens de faire tomber les cams. Ça c'est pas cool du tout. Voilà, c'est bon. Techniquement, je suis écarté de tout danger puisque je suis en pleine visibilité là cette fois-ci. Alors on va regarder vite fait là. Non, trois clichés. Trois clichés. Bon, eh bien, je pense qu'on a eu moins de chance sur celle-là. Parce que un ou deux, ça doit être les nôtres. Ou peut-être les trois. Bon. Bon, eh bien, bonne nouvelle. Les vidéos des deux caméras sont exploitables. On a du résultat. Bon, c'est bien sûr pas ce à quoi je m'attendais. Mais comme je vous dis, c'est toujours mieux que rien. Alors, on va se regarder ces petites images. Eh bien les amis, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker, partager un max sur tous vos réseaux. Et moi je vous dis à très très bientôt pour la prochaine. Ciao tous les amis.